Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une journée dans ma vie on va dire. Ce matin je vais au yoga, c'est la première fois que je vais aller au yoga avec le club à l'université. Donc je vous emmène avec moi, je vais sûrement pas filmer la séance mais je vous dirai ce que j'en ai pensé après. Du coup j'ai mis cette tenue, je sais pas si on va bien voir, mon gros pull Puma et mon legging. Voilà. Alors, ça c'est le bâtiment où il y a le yoga et la salle de sport. Et c'est aussi un restaurant, un café, etc. Alors, le yoga, ça va être dans cette salle. You, j'ai jamais fait de yoga, j'espère que ce sera pas trop dur. Je sors de la bibliothèque. J'ai pas pu aller au cours de yoga ce matin tout simplement car c'était finalement cet après-midi à 14h. J'ai dû attendre un moment à la bibliothèque. Là je vais un petit peu me promener et ensuite je vais aller au cours de yoga du coup à 14h. Je viens juste d'arriver à la maison, je suis dégoûtée, j'ai littéralement attendu le bus 50 minutes. Les bus ici c'est une catastrophe, mais quand je vous dis que c'est une catastrophe, ils sont toujours en retard. Mais c'est pas un petit retard de 5 minutes. Genre là mon premier bus en fait il est juste jamais arrivé, j'ai dû attendre le troisième bus je crois. C'est trop chiant. Voilà, mais bon je vais goûter du coup parce que j'ai pas mangé. Donc je vais juste goûter, je vais pas me faire à manger et je vous expliquerai comment ça s'est passé le yoga. Je me retrouve dans la cuisine. Bon, vous êtes très mal calé et ça résonne un peu mais c'est pas grave. Je vais goûter, alors j'avais fait des gâteaux chocolat banane et je vais rajouter du Nutella dessus parce que voilà j'étais très énervée pour les bus, donc c'est une bonne raison. Donc let's go. Ok, je suis pas sûre si je vous mets comme ça. Ici le Nutella il est vraiment hyper dur vu qu'il fait tout le temps froid. Mais let's go. Ça fait du bien. C'est vraiment très bon. Et j'ai fait ça sans aucune recette. J'ai juste mis de la banane, de la farine, du sucre et du chocolat. Bref, je devais vous expliquer le yoga. Franchement, c'était trop bien. C'était la première fois que je faisais du yoga de ma vie. Attendez, j'en mets un petit peu de Nutella. Mais c'était trop bien, franchement. En sachant que ici, on paye 3 euros et ensuite c'est gratuit. Donc en gros, c'est 3 euros l'abonnement. On peut y aller quand on veut. Du coup, c'est trop bien. Et franchement, j'ai adoré. C'était hyper relaxant. C'était trop bien. Trop trop bien. Trop bon. Je suis retournée dans ma chambre et là je vais finir la deuxième saison de Ginny and Georgia. D'ailleurs j'adore, franchement très bien comme série. Mais là j'arrive pas à me réchauffer, du coup je suis à côté de mon petit radiateur. Ça me sauve la vie d'avoir un radiateur d'appoint. Et après il va falloir que je prenne ma douche, que je lave mes cheveux, etc. Que je me prépare car ce soir il y a une soirée internationale. Donc je vais y aller. Et voilà. On se retrouve dans la cuisine. Il y a un bruit bizarre. Ce soir je cuisine des pommes de terre, des nuggets et des haricots.
J'ai très faim, mais ça va prendre un petit peu de temps à cuire, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, je cuisine pour ce soir et pour demain midi, donc là, on a mes patates, les nuggets, et il y aura ensuite les haricots. Je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder, probablement, et je me rends compte que je n'ai pas du tout fait ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est-à-dire que j'ai dit que j'allais aller à une soirée, je n'y vais pas finalement, j'ai un peu la flemme. Et finalement je vais sortir demain donc ça va. Et je n'ai pas du tout fait de haricots car j'ai mangé 2 pommes de terre et ça m'a largement suffi. Donc j'ai pas cuisiné de haricots. Sinon j'ai un peu révisé mon cours d'irlandais. Donc j'ai révisé les phrases qu'on avait vues la semaine dernière. Et je pense que je vais un petit peu lire mon livre maintenant si j'ai envie. Je vais donc terminer ce vlog maintenant, j'espère qu'il vous aura plu et je vous retrouve dans un prochain vlog. Bisous !